Jessie ? Bah tu fais tes vaillées et tu descends. On est bien, il y a vache. On a passé un moment incroyable. Il est temps de découvrir de nouveaux horizons. Une nouvelle aventure s'offre à nous. On a fait une clearance pour Panama, mais on s'est dérouté pour Surflora sur l'orphelinat de Saint-François-la-Cise à l'île à vache, ici à Haïti. Autre chose me tient à cœur, des petits bancs de sable existent à 34 milles de la Jamaïque. On va aller se poser un petit peu là-bas. On devrait être bien protégé normalement. J'ai regardé la météo. Voilà, c'est ce matin, j'ai fait un petit routage. Regardez le petit bateau bleu. Voilà, on va partir ici. Il va y avoir un petit thermique, on va avoir un petit 5 nœuds. 10 nœuds, 10 nœuds, 10 nœuds, 5 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds, 10 nœuds, 10 nœuds, 10 nœuds, 140 000. On devrait normalement arriver demain midi. Et on va se caler un petit peu là-bas et puis vivre en Robinson Crusoe et en Robinson Crusoe. Au revoir l'île à vache. Et franchement, n'hésitez pas à passer ici, c'est un endroit formidable. Ici à l'île à la vache, on dit merci en pile. Oh, pardon. J'ai plein de bobos sur les lèvres. Des merci qui sont en pile. Du coup, j'ai envoyé des petits messages. Et puis, regarde. C'est tous les gens qu'on a rencontrés, la CRV. Je vous souhaite un bon voyage. On reste en contact. J'attends d'autres bateaux. Si tu peux nous les envoyer. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est un vrai lien. Un vrai lien qui s'est créé. Et puis, c'est hyper émouvant, en fait. J'ai les larmes aux yeux. Nous laissons derrière nous un petit bout d'aventure qui nous prend aux tripes. Comme tous ces endroits où on nous a dit qu'il fallait pas aller, et ben une fois de plus, ça se vérifie. On ne regrette pas, on a eu des moments de doute. Je vais vous dire que ça, c'est vraiment une tranche de notre voyage qui va vraiment rester gravée. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment une tranche de quai qui s'est gravée. Mais quel couillon. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, ça recommence. Fais-moi un bisou. Ben. Non, t'as les bobos. Non, sur le nez. Les petites mésanges s'amusent comme des folles sur la girouette, c'est très drôle. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Malheureusement, les déchets plastiques, c'est un fléau ici. On a essayé de leur expliquer, mais c'est très très compliqué. Des associations sont venues. Par exemple, Jeff a aidé à ramasser les plastiques. Certains villageois leur disaient qu'en fait, c'était un travail de riches, que s'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils étaient riches. Les plastiques sont piégés à l'intérieur des sargasses. Des bouteilles plastiques, des bouchons plastiques, des sacs plastiques. C'est très triste. Oui, Choupi, je vais faire une petite recette. Très bien. C'est juste pour vous montrer, j'ai essayé de faire un petit truc avec ce que j'ai récupéré donc à l'île à la vache. Et j'ai fait revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Au congélateur, j'avais un filet mignon. J'ai des échalotes, de l'ail, j'ai du gingembre, j'ai pris deux papayes vertes, du vin blanc. Et ça, c'est des pois, mais je ne sais pas des pois de quoi. Alors, je les ai fait cuire à l'eau hier et je pense que je vais les mélanger dedans. On verra ce que ça va donner. Je vais mettre peut-être de ça, celle-là. Et puis, on va mettre un peu de poivre. Un bouillon aussi dedans, tiens. J'invente. Hein. Mon petit morceau de viande. J'ai rajouté le vin blanc. J'ai laissé évaporer. Un poivron qui était un petit peu abîmé, donc je vais le mettre. Et puis, quelques carottes aussi. Les papayes, j'ai enlevé les graines, je les ai coupées en morceaux. On va mettre tout ça dans la cocotte et on va fermer 10 minutes. J'ai envie de rajouter un peu de curry aussi. Curry. Bon allez, je vous la chante, la chanson. 1, 2, 3. Avec Jaco, il a fripouille. On ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Ça y est, c'est reparti, il y a des bruits partout. Donc il va falloir éviter tout ça. Je pense que ce sont des casiers. Et par contre, il y a un banana, il s'est amusé à poser une question au chat GPT, donc à l'intelligence artificielle. Écoutez ça, c'est très drôle. Alors, j'ai demandé à un équivalent de chat GPT un article sur Joubi et Jacouille de la chaîne YouTube Black Lion Catamaran. Voici le résultat. Écoutez bien, les bananes, c'est très drôle. Jacouille et Choupi sont une paire de chats populaires sur la chaîne YouTube Black Lion Catamaran. Ces deux amis sont tous deux des Maine Coon. Une race connue pour leur grande taille et leur allure élégante. Attends, c'est casse-couille, c'est pas Maine Coon déjà. Ce duo félin a gagné en popularité sur la plateforme de partage de vidéos grâce à leur aventure amusante et leur personnalité attachante. Ça, c'est tout nous, ça. Bah, c'est nous, ça. Et ils se complètent parfaitement car Jacouille est la plus active des deux, yes.
Alors que Tchoupi est plus calme et réfléchi. C'est vrai aussi. Ces deux chatons aiment jouer à se poursuivre dans leur maison et partager leur quotidien avec leurs fans. C'est vrai. Leurs vidéos sont si drôles et amusantes que les spectateurs n'arrivent pas à en détourner le regard. Ça, c'est tout vous, les bananes. Ouais. Les fans peuvent s'attendre à voir des cascades et des farces drôles, des courses-poursuites folles et des moments de tendresse entre Jacouille et Tchoupi. Grâce à ces deux célèbres chats, la chaîne Black Lion Catamaran est devenue très populaire. Leurs vidéos ont été vues plus de 3 millions de fois et ils ont acquis une communauté de plus de 14 000 abonnés. C'est vrai, c'est vrai. Nos bananes. Vous pouvez suivre les aventures de Jacouille et Tchoupi sur la chaîne YouTube Black Lion Catamaran et sur Instagram. Vous êtes certain de passer un bon moment en regardant leurs vidéos et de vous sentir plus proche de la nature et de la vie des chats. Petite intelligence artificielle, il y a deux, trois petits détails. On ne fait pas partie de la famille des Maine Coon, mais des casse-couilles. Au moins, du moins pour elle. Et autre chose, nous ne sommes pas des chats, nous sommes des lions. Donc note ça, enregistre bien ça, petite intelligence artificielle. Mais voilà, il y a encore quelques petites erreurs en forêt. Je te mets des encouragements, c'est très bien. Beaucoup plus de vent que prévu, c'est annoncé pétole. Et il souffle, disons, 18 nœuds de vent. On est au portant. Vas-y mon petit Jonathan, fais-toi plaisir. Des sargasses, toujours des sargasses. Toi, il est en train de se coucher. Nous venons de sortir des gros paquets de sargasses. Depuis ce matin, c'est une calamité, vraiment. Ça nous ponce en plus l'anti-fouling sur le C-Drive, sur la coque. Ça se fout dans les lignes. Par contre, regardez, cette pureté de ciel. Même sur l'horizon, on ne voit rien. On ne voit pas un nuage. Le ciel est resté bleu, bleu azur toute la journée. Et on a fonctionné sous Jonathan et un riz dans un grand voile. On aurait pu mettre toute la voile, plus d'un autre courant contre nous. On s'est eu un petit 10-12 nœuds, ce qui nous a fait avancer un tout petit peu. À l'heure estimée d'arriver, 18h25 à 4 nœuds. Le bruit de fond est sponsorisé par Jonathan. Jonathan se dévante à chaque surf. Et voilà, il donne des à-coups, j'aime pas trop ça. Il y a 10 nœuds devant, on est à grand max à 2 nœuds 8. Je regarde derrière voir s'il y a des filets, parce que je me dis c'est pas possible quoi. On se traîne, on n'avance pas du tout. Il y a un courant de dingue. J'ai envie à GV parce qu'elle a tapé de tous les côtés. Regardez ce qu'il fait, toc et pouf. Déjà, hein, mais pas des pieds. Ah yeah. Au total, aujourd'hui, ça va faire 6e jour qu'on navigue. Et on n'a rien pêché. Moi, je suis pas scientifique, faites-vous du souci sérieusement. En prenant l'exemple de Véno, avec qui on était parti en pirogue, lui est pêcheur. Et le matin où il est revenu, il avait pêché toute la nuit, donc il sait pêcher, c'est son métier. Hein. Il a quel âge Véno? Il a 60 ans à peu près, je pense. Cette nuit-là, je lui dis, bah alors, t'as bien pêché? Rien. Pas un poisson dans le filet. Ça, c'est le radar. Tiens, mon chat, attends. Bon. On t'a jamais dit que t'es jamais parti à ma vide? Ici, pourtant, il pêche toujours artisanalement et non industriellement. Et j'essaie de comprendre comment ça se fait qu'ils n'ont plus de poissons. A priori, il n'y a pas de grosses pêcheries qui viennent dans la zone chercher leurs poissons. Un rapport entre l'être humain et la nature, et pourtant, il n'y a plus rien. Donc, est-ce que c'est le plastique? En ne serait-ce que 15 ans, on voit la différence. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout et ça fait très très peur. Putain! Fait chier, on va péter notre voile là. 9 nœuds devant et on est... Un nœud deux. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah si c'est ça, je vais mettre le moteur, hein. J'ai pas envie de péter Jonathan. Un nœud deux, c'est démoralisant. Il y a le vent nécessaire pour avancer à la voile, mais un courant de dingue. Je ne fais jamais ça, mais je pense que je vais ranger Jonathan, parce que sinon on va le péter quoi. En 10 nœuds de vent, mer à casse, on avance à 1 nœud et demi, 2 nœuds et demi. Voilà. Voilà, des coups de rappel là-dedans. Je crois que je vais mettre le moteur parce que s'il n'y a pas un peu plus de vent, là, on va péter les trucs. Le bout d'or, il prend des coups de rappel aussi. J'attends encore un petit peu, mais on va voir. On use au gréement, on use à voile alors qu'elle est toute neuve. Mais ça fait chier, quoi. 11 nœuds de vent vrai, quoi. 8 nœuds de vent apparent. Putain, 1 nœud 8. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Voilà, je viens d'allumer le moteur. On peut pas se permettre d'arriver. Il y avait 140 000 à faire. On le faisait, non, on les fait largement en 24 heures et 140 000. Et là, avec 10 nœuds devant, on les fait pas. Donc, j'appuie au moteur. Il est chier. Bon, on va ranger Jonathan.
parce que c'est la merdouille. C'est con, mais c'est reposant d'avoir allumé le moteur. Ça, ah, les coups de rappel, c'était pénible. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de sargasse, donc c'est, ça me rassure de mettre le moteur pour ça. Mettre le moteur, c'est un truc que je déteste à cause du bruit, mais là, du coup, c'est plus agréable au moteur. On n'avance même pas, on n'arrive même pas à faire les 4 nœuds sur un moteur. Voilà la carte des courants. Nous, le petit point bleu, c'est complètement faux. Je n'ai jamais trouvé une réalité dans ces courants là sur Weser 4D. Enfin, 3 nœuds, 2 nœuds 7. 12 heures de moteur cette nuit. Là, il y a 17 nœuds devant vrai et on avance à 3 nœuds et demi, 4 nœuds. Là, j'ai cru, il avait fatigué. La pauvre, protégez-vous bien les lèvres là. Elle a des petits problèmes de soleil avec ses lèvres. Et du coup, ben, ça lui lance. Un courant de dingue contre nous, là, c'est, on n'avance pas, c'est un truc de fou. Quoi. Vraiment, je me dis, c'est pas possible, il y a l'eau dans le bateau, on a accroché un filet. On a plus eu les sargasses et ce matin, on retrouve les sargasses. Donc, on a remis Jonath, Henri, mais on se traîne, et j'espère qu'on va arriver au banc de sable avant l'heure, avant la nuit, parce que sinon, ça va être la merde. Hein. On va devoir zapper cet endroit-là. Donc, je fais tout pour. Boum, elle vient de se prendre un bas au bord, là, j'ai un coup dans la gueule. Touki, touki, touki. Il y a un cargo qui passe pas trop loin de nous. À mon goût, il est pas très très loin quand même. Regardez, il est juste là. 15 nœuds devant, on a le code 0. On avance à 2-3 nœuds. J'ai allumé le moteur. Je peux pas me permettre d'arriver de nuit à cet endroit-là, ici, là. Et même là, avec le moteur, j'ai du mal à atteindre les 5 nœuds. Donc, code 0 et... c'est pénible. Youyouyou, c'est le parcours contre la montre, là, pour arriver juste avant la nuit à cet endroit-là. Alors, j'espère que je ne fais pas une connerie, parce que c'est un endroit où il pourrait y avoir des pêcheurs, des filets, tout ça. Donc, si on arrive de nuit, c'est mort. Allez, on vient d'appuyer avec Jonath et le moteur. Et on vient de gagner une heure. Beaucoup de moteurs. Et beaucoup de courant surtout. Et la mer, elle tourne, on la voit tourbillonner en fait. Elle est complètement croisée. C'est pas super super la mer des Caraïbes. On est au portant. Hein. On est au portant, mais c'est le courant, hein. Il est terrible. Il est terrible. Donc le fait de s'être excentré un peu plus sur la Jamaïque, normalement, on devra le courant un peu plus pour nous. Donc je vais faire ça. Nous sommes à 5000 de l'arrivée et on ne voit rien. Pas un îlot, rien du tout. Et en plus, regardez. Alors ça c'est pas bon, c'est soleil de face, mais je vais faire 180 degrés de toute façon. De toute façon si ça le fait pas, ben on partira, hein, direction Panama. On va voir. Je vois le phare, je vois une balise, elle est indiquée sur la carte. Ok, la balise elle signale le récif. Ok, c'est bon, je l'ai en vue, on va y aller doucement, car on ne sait pas si c'est bien hydrographié à cet endroit-là. Alors voilà ce que ça donne la configuration sur la carte. Vu que ça souffle nord-est, on va se protéger du nord-est ici, ça s'appelle North-East Cay. Et si on reste un peu plus longtemps que ça soit au sud-est, on ira ici. On va passer donc des 4000 mètres aux 200 mètres, 40 mètres, 25 mètres. Et il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas des filets de pêche ou des bouées, des nasses qui auraient été déposées. C'est un récif au milieu de nulle part et que c'est un bon endroit pour pêcher le poisson. J'ai enfin l'écho sur le radar. Donc ça est assez plat parce que je le chope que maintenant. Il est à 4000 de nous. 25 mètres sous les coques de Blacky. On voit le banc de sable. La jacouille surveille devant, on a soleil en pleine face et on voit rien. Et donc j'ai mis devant pour éviter de se prendre des bouées si toutefois il devait y avoir des bouées. Et bientôt on va passer dans la zone des 15 mètres. Le vert représente le récif, le blanc, le jaune représente le banc de sable. J'ai ma petite fenêtre, je vais contourner correctement derrière, hein, je vais prendre large. Ça va retomber à 14 mètres et d'un seul coup tu viens me dire tu vas voir le fond, ça c'est sûr. Hein. Il va y avoir 6-7 mètres. Okay. Nous sommes en train de passer dans les zones de 20 mètres là. On arrive une heure avant le coucher de soleil. Tu vois déferler là-bas? On va contourner le récif qui est juste là. Voilà, on est en train d'arriver. Le banc de sable est là-bas. Il y a 6 mètres. Ça risque d'être un peu rouleur quand même. Ça descend 5 mètres, 4 mètres 80. Il va y avoir qu'il n'y ait pas des patates. Hein. À partir de maintenant, je regarde ma sonde.
4,70 m. Je ne fais plus confiance aux cartes. On n'a pas la bonne lumière. La jacouille est devant. Tu vois le récif là-bas devant là? Ça déferle. Là. J'ai 4,40 m. Je suis à 3,90 m. On va avoir une petite houle quand même. Ils hein. disent qu'il y a 1,20 m au milieu. Faut pas qu'on s'échoue. Hein. J'avance doucement. Hein. Là j'ai 3 m. Non, il n'y a pas de marée. J'avance encore un peu. Là ça descend. Hein. 2,80 m. 2,60 m. 2,50 m, ça descend bébé. On va mettre là, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On va pas être trop mal, non? Ouais, ça va peut-être bouger un peu, mais ça va, c'est pas grave. Ouais, mais là on n'a pas vraiment de visibilité, donc pour voir. Ouais, on bougera demain au cas où. Attends, 2,90 m, ça remonte un peu. Toi, j'avance encore un peu. C'est du sable, hein? Il a l'air d'être du sable, ouais, c'est d'herbe. Il y a personne qui habite là. Non, ça devrait être des maisons pour les pêcheurs. Pour les pêcheurs. 2,60 m. Donc, va pas plus loin, alors reste par là. 2,90 m, 2,70 m. Regarde, tu vois, il y a des vagues là-bas. Là-bas, à mon avis, ça remonte. On met ici? On met là et on verra demain. On met combien? 20 déjà. On va mettre 10 de plus pour être tranquille. On est arrivé. Regardez, on est tout seul. Vas-y. Parfait le guindeau, hein. Touki touki. Là, 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 regarde. Ce soir, ça va souffler un peu plus nord, donc il se peut que la houle rentre. Nous sommes quelque part autour du monde, en Jamaïque, sur un banc de sable. Excellent. Alors ça, c'est bien ça. Alors voilà l'emplacement que nous avons choisi. Ici, on a mis la rampe de mouillage. On a mis 30 mètres dans 2,70 m d'eau. On va prendre météo pour ce soir. Ah, est-ce qu'on a internet? Oui, on a internet. Merci Starlink. Et regardez, hop, 30 mégaoctets. Et voilà, ce soir, ça va souffler un peu plus nord-est. Léger. Et demain, c'est de l'est. Demain, ça va être calme. 39 000 au sud-est de la Jamaïque. Nous sommes au Morang Sky. Nous sommes seuls au monde, mais pas que seuls au monde, puisque des dauphins tournent autour du bateau. Il y a des habitations de pêcheurs qui ne sont pas là. Je pense que c'est quand ils font leur campagne de pêche. Et arrivé juste à temps au coucher de soleil, regardez la magie. Quand on y pense, nous sommes des milliards sur la planète. Et regardez où se retrouvent Jacouille et Choupi. Nous sommes là et nous vous faisons découvrir cet endroit incroyable. C'est vierge de tout. Les dauphins juste là, regardez. Ils sont là, ils tournent autour du bateau. Si demain ils sont là, je me mets à l'eau. Sors petit dauphin, sors. Hop là, merci. Bonjour les bananes. Ma jacouille m'a dit que ça avait roulé un petit peu cette nuit. Moi, j'ai rien senti du tout. C'est bien quand on est fatigué, on sent pas quand ça roule. Morang Sky appartient à la Jamaïque. On devrait pas être ici, mais sur la carte Navionix, ça nous appelait. J'ai très mal de bananes. Salaire. Attends, j'ai l'impression que tu t'es injecté du botox. Manque d'hygiène, je crois, bouton de fièvre. N'importe quoi. T'es con ou quoi? Voilà. Merci beaucoup les bananes. À cause de vous, je viens de me faire engueuler. Bon, on a enfilé notre belle armure, nos appareils photo. Ok, derrière moi aussi, dans mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos. C'est parti, mon kiki. On attend avant de décrocher parce qu'on n'a plus le rame. On s'est fait voler en Guadeloupe. Et là, on est dans la merde, il n'y a vraiment personne. Hein. Si on venait à ton grand-pas. Moi, tu aurais dû prendre les rames du kayak. Moi, une rame du kayak parce que sinon, on va être dans la merde à ça. Je vis avec la femme invisible. Oh, derrière, c'est super calme. On va aller derrière. On vient de passer au vent de l'île, car elle est protégée en fait par un lagon. Je peux la prendre.
coup, il vient de s'inventer un... Mais je m'invente pas. Allez, maintenant, quand, quand on me demandera la profession, je dirais qu'on est aventurier. Eh ben oui, c'est vrai, dites-le, les bananes, c'est... Ouais, c'est explorateur, cinéaste, grâce au Patreon. Et bien à Saint-Martin, j'en ai profité pour faire un petit achat supplémentaire. GoPro, caméra et trépied. Une carapace de tortue, hein. Ouais, ça fait un bout de temps qu'elle est ici. Nous sommes dans un village de pêcheurs. A priori, ils étaient là il n'y a pas longtemps, oui. Voilà à quoi ressemblent les casiers quand ils pêchent du poisson. Ah, il y a un chat. Oh, mais t'es gentil en plus. Ils vont sûrement pas tarder à revenir, il y a du riz dans, sa gamelle. Oh, il est gros. Ils ont du grillage, et avec ce grillage, ils mettent en forme des nasses. Donc là, je sais pas où sont les pêcheurs à l'heure actuelle, mais a priori, ils étaient là il n'y a pas longtemps. Morceau de bois pour faire l'armature du grillage. Le poisson rentre dedans. Peut-être qu'il n'arrive pas à en ressortir. Et voilà, le poisson est piégé. On va taper One Love. One Love. Voilà où ils dorment pendant leur campagne de pêche. Il y en a certains qui résistent pas. One Love, il nourrit a priori. De l'île. Ça serait une station météo, une station sismique, je sais pas trop, peut-être sismique. Hein. La jacouille marche pas trop fort à côté, tu pourrais faire déclencher l'alerte sismique de l'île. One Love est en train de faire les yeux doux la jacouille, à mon avis, pour qu'elle puisse vouloir l'emmener, mais il doit appartenir aux pêcheurs, donc il va rester ici. Mais viens, mémère. Oui, viens. Le jour où vos haubans, vos ridoirs deviennent comme ça, inquiétez-vous. Le phare était au banné, les haubans sont à côté de la jacouille. Un, deux, trois. Mais les haubanages, ils j'ai sont cassés. J'ai fait un donc. Voilà, les haubanages sont cassés et je suis plus vémentée, encore. Après, tu dis qu'on n'est pas des aventuriers. Oula. C'est sûr, c'est une bonne idée, l'échelle, elle tient pas, bébé. L'échelle, elle tient pas en haut, hein. Non, 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 les boulons, ils sont cassés, hein. Ah oui, elle va se casser, oh putain. Alors, on dure. Namour. Bon, il faut que je me sauve. Bébé, je fais quoi si tu te pètes une jambe? Bébé, c'est pas une bonne idée. Ah, il le dit. Il arrête pas de le dire, One Love. Je suis pas un aventurier. Tu vois, je t'avais dit, moi, Jacques, j'étais pas un aventurier. Non, mais en plus, le bon, ah, il a aussi manqué un bon. Là, il manque un écrou. En haut, là-bas. Il y en a un qui est cassé. Troisième étape, il n'y en a plus du tout. Oui, non. Non, c'est pas dangereux. Notre guide de l'île, One Love. Un petit mémère. Tu passes par là? Pas par là? De Dieu! Regarde, il y en a une autre derrière. Sacrée araignée de mer. C'est bien, c'est une balade. Vous vous souvenez où est-ce qu'elle a mis l'encre tout à l'heure la jacouille? Là-bas. Regardez. Ouais. Bravo la jacouille. Hein. Non, One Love, toi tu viens pas. On reviendra t'apporter de l'eau, ok? Bon, ça nous a fait de la peine. Alors déjà, on prend pas d'animaux à bord. Ah, j'ai assez de ma femme. Et j'aurais pu craquer une fois de plus. La dernière fois, c'était un coup de week-end avec le chien. Il appartient au pêcheur, il est là, il est bien vivant, il est bien portant. Et on pourrait craquer, de prendre le chat à bord, mais voilà, on pourrait être accusé aussi de vol. C'était horrible, on l'a laissé sur le bord de la plage et puis elle nous a regardé avec ses petits yeux de chat là. Oh, c'est dur, hein. C'était dur de laisser ton petit chat. Deuxième banc de sable à côté des quais du nord-est. On va faire le tour et là il y a des oiseaux. Attendez,
Il y a des nudités blanches, tiens-moi ça, ça peut être là. Nous sommes à côté des nudités blanches. Ils n'ont pas peur de l'homme, il ne doit pas y avoir grand monde qui vient ici. Et ils sont juste à côté de nous. D'où elle vient? 10h20, nous sommes rentrés au bateau boire une petite citronnade et on va aller faire la caille de South East. Il n'a pas intérêt à avoir une merde avec le moteur, sinon il est dans la merde. L'avantage de 15 chevaux. Ou pas. Oui, ça risque d'être compliqué d'y descendre là. On pourrait y descendre, mais on a le matériel cinématographique. Mais mec, le sac étant, je sais pas, j'ai pas envie de me retourner. On s'est pris une vague de travers, déjà on a failli se retourner. Tant pis. Ouais, il roule légèrement. On peut pas tout avoir non plus. Hein. J'aime bien Choupi quand il va absolument être à un endroit. Ça roule pas. Mais non, ça roule pas. Putain, c'est une petite gueule. J'ai fait une péter à la gueule. Vous savez les bananes, c'est quoi savoir préparer un voyage? C'est d'avoir toujours du citron à bord. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Bien longtemps que nous n'avons pas plongé. Qu'allons-nous faire, ma jacouille? Nous allons plonger. À mon avis, il peut y avoir du requin, parce que vu qu'il y avait des dauphins, il peut y avoir du requin. Ma jacouille vient me surveiller. Palme, harpon et GoPro. C'est parti. Nous ne sommes plus tout seuls les bananes. Pendant que je plongeais, quatre pêcheurs sont arrivés, dont l'indifférence la plus totale. Oui, complètement indifférent. Ils sont passés loin de Blacky, très loin de nous, et donc les cabanes qu'on a vues ce matin, ça leur appartenait. Et là, on revient à bord de Blacky, et les dauphins, je pense sûrement les dauphins d'hier, eh ben, ils étaient autour de Blacky une fois de plus. Donc ça continue. Ah, je les vois là-bas, ils reviennent. Ah tiens, tiens-moi ça, ah, vite, oui, je vais oui, filmer. Ils reviennent, ils reviennent. De face. Ouais. Du coup, le petit chat, il n'est pas tout seul, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas, je me mets à l'eau. Il est resté. Ah, derrière. Là, il vient juste de sortir. Thank you.
avec sa gueule de pastèque. Santé, banane. Et venez pieds. Petit coquin de dauphin. Et ils venaient vers nous, c'est incroyable. Et sous l'eau, ils nous regardaient comme ça, ils ont levé la tête. Comme ça. Oui, tu fais bien, dauphin. Comme ça. Comment tu fais? Tu sais, tu faisais le dauphin avant. Maman, il y a un moment exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Bon bah à demain. Ciao. Les bananes. Alors que j'étais parti nettoyer mes touffes, ma touffe, c'est de l'anglais. Ça veut dire mes dents. Plus en flagrant délit, je remonte, je refais la scène. Et là, la jacouille, en flagrant délit, regardez, là, ici. Elle a la main, sauf que son cerveau ne réagit pas à temps. Elle a son écoflot qui est juste là-bas, comme ça. Elle a son écoflot qui est à 100%. Il y a le panneau solaire, il y a tout. Mais elle a la flemme de prendre la prise et d'aller le brancher là-bas. Donc elle est branchée sur les batteries du Black Lion. C'est exactement ça. Voilà, exactement. Et elle avait la main là. Et quand elle m'a vu, je suis là comme ça, je regarde ça comme ça. Et là, je vois ça. Là, 15 ans autour du monde, 15 ans d'électricité. Ah, l'écofo, c'est génial. C'est comme l'eau de mer, c'est génial. Mais elle utilise tout eau douce. Avec j'ai couilles. Hein? Arrête, tu me dis, ça tire, il faut pas trop que je rigole. Des bovilles, ne me fais pas rire, j'ai le versé. Mon bello. Fais pas mal, j'ai le versé. C'est tout vous, ça. On vous demande pas de vous abonner, personne ne s'abonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Activer la cloche. Ding, 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 ding. Mettre les petits pouces. N'oubliez pas d'écrire un commentaire. Abonnez-vous, commentez, le likez. Pouce. Ça contribue à notre voyage sur YouTube. Ah mince, j'ai du soleil dans les yeux là. Si vous voulez faire partie encore plus de l'aventure, eh ben, vous pouvez venir nous rejoindre sur Patreon. Non? Ah bah si, si tu le dis. Oh putain, moi je bouffe tes cheveux, putain, il y a du soleil dans les yeux, je bouffe tes cheveux, ça suffit maintenant. Hein. Et on remercie également tous nos partenaires qui nous suivent dans cette aventure depuis le début. Merci. Donc, nous sommes... Ah, c'est pas vrai. Nous faisons de plus en plus de vues et la chaîne grandit de jour en jour. Et en ce moment, c'est Expo dans le ciel. Et c'est tout ça grâce à vous. Merci à tous, on vous aime. Tu les connais même pas. Bah je les aime quand même, c'est nos bananes.